Bien, salut tout le monde, ça va? Et bah écoutez, je suis content de vous retrouver pour ma première vidéo commentée sur cette petite chaîne. Vous avez été nombreux quand même à venir voir la dernière vidéo, voilà, petite vidéo de rage et tout. Moi ça me fait plaisir en tout cas de pouvoir vous proposer un truc pas du tout original au final, hein, parce que bon, ça reste quand même du Call of Duty, mais bon, c'est Call of Duty 5. On en voit pas souvent, et puis de moins en moins souvent d'ailleurs. Alors écoutez, je vous promets pas une partie d'enfer, hein, ça c'est clair et net. On va voir ce que ça donne, je sais pas combien on est dans la... Ouais, ils sont trois en face, donc on va peut-être un petit peu s'ennuyer. Oh, mais regardez le ce vilain là. Oh, regardez le ce vilain aussi. Enfin bref, je vais essayer quand même de vous proposer une partie potable, et puis vous parler de... Un peu, écoutez, de tout et de rien, comme c'est la tradition dans les vidéos commentées. Oh, c'est vrai que ça manque un petit peu les décors comme ça. Ok, toi tu m'as séché sur le coup, tu vas voir, vilain. En tout cas, oui, donc je voulais vous parler de ce que je vais faire un petit peu en jeu sur ma chaîne. C'est vrai que je suis pas le gars qui va vous dire, qui va vous proposer des trucs super extraordinaires, etc. Je pense que je vais continuer à vous faire ce que je sais faire, c'est-à-dire des vidéos commentées, et puis toujours les petits trollolol sur Battlefield 3, parce que ça a l'air de vous plaire, et puis puis on fera sûrement des vidéos un peu merdiques où je suis en train de rager. Mais sachez, je vous le dis honnêtement, sachez que c'est vraiment ma façon d'être. Hein. C'est pas du fake, comme on dit. Et encore, c'est même pire que ça. J'avoue, je suis un putain de rageux de base. Mais vraiment. Pour ça que je peux plus jouer à ma PS3, parce que j'ai cassé la manette. Bon, par contre, ils sont où, là? Hein? Ils sont où? Non, je veux pas mourir. Tiens, elle est bien cette arme, l'USM1 là, avec un petit viseur, petite mire comme ça. Non ! Bon, je suis mort. Voilà. Bah, ça va, ils sont quand même dans la partie. Hein. Ils ont l'air d'être assez motivés, donc c'est cool. Oh putain, il est où ? Tiens ! Ouais, franchement, je vous la conseille fortement, cette petite arme, elle est excellente. Ça, c'est clair et net. Bon, là, ils ont l'air d'être un peu au fond. Assistance! Non! Attendez, je vais essayer de le niquer lui là-bas. Voilà. Putain, elle ne bouge pas cette arme. Elle ne bouge pas. Elle est vraiment superbe. Allez, chien, venez avec moi. On va aller débusquer un petit peu. Oh putain, j'arrive dans le tas. Non! J'ai oublié que les grenades, elles étaient vachement puissantes dans ce jeu là. Ça se rapproche plus de Call of Duty 4. Allez, je rentre un petit peu. Bienvenue dans Uncharted. Oui, donc je vais vous parler un petit peu aussi, des vidéos avec qui je vais en faire. Putain, mais je raconte n'importe quoi. Je sais pas ce que je fais là. C'est que je suis plus concentré à aller les chercher. C'est les vilains là. Ah, il est là. Non. Bah, il joue ou pas là? Parce que franchement, je me trouve un peu trop balèze. Non, je plaisante. Merde. J'ai un tir d'artillerie. Désolé, en tout cas, je pense pas que vous allez me voir rager durant cette vidéo. Attendez, j'ai ramassé un petit snipe. Voilà, celui-là il est bien, celui-là. C'est un peu le barrette du jeu. Qu'est-ce qu'il fait là-haut, lui? Allez, tiens, coquin. Ils sont où là? Allez, on va continuer un petit peu. Call of Duty 5. Enfin, moi, c'est un jeu, je pense, je vous ferai des vidéos assez souvent dessus. Étant donné que ça correspond bien au thème de ma chaîne, bah vous l'avez peut-être remarqué, hein, c'est un peu tout ce qui est... Oh, le fumier! Le putain de fumier! C'est un petit peu sur le thème de la Seconde Guerre mondiale, voilà, guerre du Vietnam, etc. Notamment aussi le film Inglourious Basterds, voilà, c'est vraiment un thème que j'affectionne particulièrement. Et puis, j'espère que ça vous plaît aussi. Enfin, en tout cas, c'est... Ah, il est comme ça, lui? Il est comme ça, ce fumier, hein. Bah, tu vas voir, toi. Bouge pas, je vais te retrouver. Je vais même te tuer au pistolet, tiens, tu vas voir. Juste pour te foutre le seum. Allez, je vais faire un petit tour là-bas. Mais putain! Ah, tiens. Non, mais il joue à la distance. Il joue à la distance, donc j'ai tout obligé de m'y mettre aussi. Je vais les détendre un petit peu, vous allez voir. Vous inquiétez pas. Faites-moi confiance. Ok. Le noscope, c'était pas moi. Allez. Poussez-vous là, les pauvres! Non, je plaisante. Bon!
Qu'est-ce que je pourrais prendre pour les détendre? Qu'est-ce que je vais prendre? Bah, je restais à l'USM1. Ma classe, ça va changer après, de toute façon. Regardez le petit décal. Attention, Fragmovi. Non. Mais je sais qui... Non, mais c'est pas possible! Putain, quoi. Les mecs, ils restent dans leur camp, ils bougent pas. Merde, je suis plus au snipe, là. Faut que j'arrête de... J'ai cru que j'avais encore le snipe dans les mains. Ça m'énerve. Bon, c'est ma première tentative, hein. Il est 10h55 du matin à l'heure où je vous fais la vidéo, donc faut pas trop m'en vouloir, les petits loups. Je suis vraiment désolé. Eh, mais j'ai mon tir d'artillerie à mettre. Bah, attendez, je vais les débusquer. Oh putain! Attendez. Bougez pas. J'ai une technique infaillible. Vous allez voir, je vais les détendre, ces fumiers. Putain, je commençais super bien, je fais que du caca maintenant, quoi, putain. Est-ce que ça tue des chiens un peu? Ah voilà, ça tue un mec déjà, regardez, vous voyez. Je vais attendre un petit peu que ça se passe, parce que sinon, ça va pas le faire. Allez, ça a l'air d'être fini. Attendez, je vais juste me décaler un petit peu pour voir s'ils sont dans le coin. Ah, vous voyez, hein, putain, ils restent à distance, j'en ai marre. Non, c'est bon. Oh putain, je me casse de là, il y a des snipers partout. Ouais, bon, je m'en doutais, de toute façon, je m'en doutais, j'étais fier de moi, je dis, ouais, j'ai évité un truc qui explose. Non? Mais ils sont où, là, vous pouvez me dire? Parce que j'en ai ras le cul. Attendez. J'ai une technique infaillible que j'ai inventée en 1942. Je vais monter là-haut, et puis je vais aller les chercher. Nous sommes dans la jungle. Avion ennemi, juste au-dessus de nous. On m'a dit qu'ils étaient là. Tiens, regardez là-bas. Oh putain! Non. Putain, j'ai pas tué un mec depuis depuis longtemps à mon goût. Ah si, c'est bon quand même, ça reprend. C'est bon. Regardez-le lui là-bas. Oh mais non! Comment je vais faire là pour les tuer? Putain, ils se planquent partout là, ces fumiers là. Encore, en plus c'est nous les Japonais quoi. Putain, j'hallucine. Encore les clébards? Non, mais ils se foutent de ma gueule, hein. Attendez ça. Est-ce que c'est nos chiens? Non, c'est pas nos chiens! Putain! Ah non, je suis vraiment dégoûté. Regardez, je fais 15-13, je commençais super bien. Avouez-le, franchement, je commençais bien. Mais tiens, toi, dégage! Oh putain! On est en train de perdre le match en plus, j'y crois pas. Je n'y crois pas. Voilà. Attendez, je vais... Ouah, mais non, mais c'est pas du jeu aussi. Ils sont tout le temps en train de camper, ces putains de raclures, la merde, hein. C'est bon, quoi. Ça me fait chier de me faire fumer par des connards. Regardez-le, là-bas, là. Il est tout au bout, il bouge pas. Putain. Hein, bah ouais, hein, bah c'est facile, hein, bah oui. Non, désolé, les gens, je suis vraiment désolé, mais avouez qu'ils jouent vraiment comme des saloperies, quoi. Y a pas d'autre mot. Ça, les mecs comme ça, ça m'énerve. Voilà, on a perdu, c'est génial, quoi. C'est génial. Bah qu'ils aillent bien se faire foutre. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Voilà, shooter machin, allez bien vous faire foutre. Non mais en tout cas les petits loups, c'était vraiment une petite vidéo où j'ai pas rencontré grand chose au final. J'espère que ça vous aura pas trop déplu. C'est vrai que je vous ferai pas que des vidéos commentées parce qu'il y en a tellement sur YouTube de toute façon. Et puis bah écoutez, moi je vous dis à la prochaine et puis bah je vous fais de gros bisous. Allez, salut les coquins.